à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier thread de cette semaine spéciale Halloween. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui nous est racontée par Christina, qui a posté en fait ce qui lui arrivait sur un groupe Facebook. Et c'est une histoire que j'ai découvert il y a déjà plusieurs mois de ça et que j'avais très très hâte de vous raconter. Et je me suis dit que finalement l'occasion d'Halloween serait l'occasion rêvée pour vous faire le récit de Christina et vous expliquer ce qui lui est arrivé. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. La première publication date du 17 mai 2020 et elle était accompagnée d'une photo de la maison. Nous avons aménagé dans notre maison le 13 mars 2020. Ce n'est pas avant la fin du mois de mars que nous avons réalisé que la maison possédait une fenêtre que nous ne connaissions pas. Nous avons cherché, mur par mur, jusqu'à trouver que la deuxième chambre de l'étage avait une porte. Cette porte était scellée. Il fallait frapper le mur en différents endroits pour parvenir à la localiser. Notre propriétaire nous a informé, un mois plus tard, que c'était un grenier qui avait un mauvais sol, ce qui expliquait pourquoi la pièce avait été scellée. Nous n'avons toujours pas vu l'intérieur de cette pièce, mais la fenêtre a constamment des punaises qui rampent dedans et autour. Pas beaucoup, juste une ou deux. Maintenant, là où ça devient étrange, c'est que mon mari et moi sommes sans arrêt en train de crier aux enfants d'arrêter de jouer dans les escaliers, pour nous rendre ensuite qu'ils n'y sont pas. La chambre qui a la porte scellée, sa porte grince toute seule. Ce n'est pas si bizarre, j'imagine, sauf si j'ajoute le fait que notre vieille chienne se réveille souvent et fixe cette chambre. Ce qui m'inquiète le plus, c'est notre bébé de 2 ans, qui dort dans cette pièce. Peu importe à quelle heure il s'endort, il se réveille et me réveille en parlant entre 2h et 4h du matin chaque nuit, quoi qu'il arrive. Alors, je suis là parce que je ne crois pas à ces choses. Je n'arrête pas de me dire que c'est juste les chocottes du confinement, mais je commence à me poser des questions. Quelles sont vos opinions ? Est-ce que j'ai besoin de sauge ou d'un thérapeute ? 2 jours plus tard, Christina publie un second message, le 19 mai 2020, accompagné de 4 vidéos dans lesquelles elle nous permet de faire un petit tour de la maison. Nous avons fait ces vidéos quand on a découvert la pièce. Je les ai faites pour la famille, donc j'ai dû éditer les passages avec des informations personnelles, mais ça vous donnera une idée de l'intérieur. L'espace sous l'escalier a été scellé juste avant qu'on aménage et c'est de là que vient le bruit, pas de la mystérieuse pièce. Ceci montre l'entrée de la pièce mystérieuse et l'intérieur de la maison. Le propriétaire est censé venir cette semaine pour regarder l'intérieur. La vidéo 4 montre les insectes. And the bathroom. This area right here, actually, let me back up. This area right here is where the room should be under. The room's above it, I mean. So it should be from here through the kitchen. By the way, can you tell me why somebody started our cabinets over 6 feet high so we got, even I have to stand on something to get up there? Man. I mean, use Dave for reference. We know he's not the tallest guy in the world, but our pretty fridge. Okay, so we would go from the kitchen here, but considering the angle of the roof, I'm guessing it's not actually as big as I originally thought it was. But you can see there's nothing on the other side of this but the fridge. Hi, sweetie. And then, if I can open this, we got our basement, so the house actually does go even further back, so I'm guessing it's over this, because our ceilings are the same height, so, okay. We're gonna go upstairs now, but, all right, here we go upstairs. Don't mind the blue tape, the stairs creak, and I don't like waking up the kids, so these are our little markers to get upstairs. You coming with us, Ruthie? Yeah. Alright, I'll show you our room first because I don't think it's got anything to do with this. Here we go. Pretty books. Cute kids. Alright, so you can see the windows start pretty low from the ground. And if you go, I'll show you how tall the ceiling is. They're actually pretty low. So I wouldn't be surprised if that window out there is really low. Here is Tabor's room. We also have all of our own stored stuff. And the drums in here for now because Tabor can't play upstairs. It's too dangerous, so he plays downstairs with his toys and sleeps up here.
Now, if I pull his crib out of the way, you can see the trim over here. But I didn't even check the trim until after I did a knocking trick. But you can see how the trim's all messed up. I'll show you a little knocking trick. There's nothing on the other side of the closets or anything, but it's really hollow for the whole way over where the trim is. And then it gets pretty solid again the rest of the way. And it's the same way up when you go higher versus a normal door steps. So, that's our guess. But we cannot tear this wall down because we rent and we don't even know if it would be safe yet. We haven't heard from the landlord yet. So I'll be finding my way through the window soon. I just don't know when. And we'll go from there. All right, I forgot to mention, if you look up here, where this wall back here stops, sorry, I just washed my hands. Where this wall back here stops is where that first or that second level stops, where our bedroom is. And that's also at the same spot as Tabor's wall. And throughout the house, the only pull-down attic space we have seen at all, we've banged on every wall and everything, is this right here. It's way too small for anyone to fit through, so I'm really guessing that's a door, but we'll find out whenever we look through the window. Il faut ensuite attendre presque un mois et demi pour avoir des nouvelles de Christina qui reposte un message le 8 juillet 2020 ainsi qu'une photo de la maison prise de l'extérieur qui est assez semblable à celle qu'elle avait postée la première fois. Salut, je suis de retour avec une update mais on n'a toujours pas pu voir l'intérieur de la pièce. Nous avons aménagé dans cette maison qui a un siècle le 13 mars, entre parenthèses un vendredi, le jour juste avant que le gouvernement n'ordonne le confinement. Il nous a fallu 3 semaines avant de réaliser que nous avions une fenêtre mystérieuse, sans entrée si vous vous souvenez bien. On a trouvé qu'une porte était scellée dans la chambre de notre fils de 2 ans, mais selon le propriétaire, c'est un grenier qui a un sol fragile. Notre fils se réveille toujours, toutes les nuits, vers 3h du matin, en parlant ou en pleurant. Bizarrement, notre chienne nous réveille aussi chaque nuit, à la même heure, en fixant la pièce. Elle, la chienne, et moi, avons commencé à avoir des crises d'épilepsie par moment. J'en avais déjà eu dans le passé, mais plus depuis des années. Nous les avons généralement tard le soir, mais je ne suis pas sûre de l'heure. Mon mari et moi disputons sans arrêt les enfants pour être dans les escaliers, mais ils n'y sont pas. La porte de la chambre où se trouve le grenier scellé craque et s'ouvre et se ferme, mais de quelques centimètres seulement. On ne peut pas se payer de caméra pour surveiller. Il y a quelques semaines, on a décidé d'échanger notre chambre avec celle des enfants. On laisse les 3 autres dormir dans la chambre du haut avec celui de 2 ans, c'est eux qui ont demandé. Et elle explique aussi dans les commentaires que cette chambre, elle est trop petite pour mettre le lit des parents et que la pièce où eux dorment, elle donne sur une autoroute donc ils n'ont pas envie de mettre les enfants à leur place. Moi, je dors. Et pour la première fois depuis des années, je fais un rêve. Dans ce rêve, une femme pâle avec des cheveux noirs me regarde et crie « Regarde !» en pointant du doigt un mur blanc. Je regarde, mais je continue de lui répéter « Quoi ? Je ne vois rien !» Mais elle crie de plus en plus fort « Regarde !» tout en pointant du doigt. Ça en arrive au point que je suis en larmes parce qu'elle me fait peur et je me réveille. J'ai eu tellement peur que je n'ai pas réussi à me rendormir. Et peu de temps après, j'ai entendu ma petite de 4 ans dans sa chambre tousser une fois. 3 minutes plus tard, ma fille de 6 ans arrive en courant dans ma chambre et me dit « Ruth était réveillée, mais maintenant elle dort. » Après mon rêve et cette toux, quelque chose m'a dit d'aller voir en haut. Je me suis précipitée et j'ai vu qu'elle respirait, mais elle était évanouie. Les lèvres pâles, le visage contre le sol, près de sa télévision. Ça m'a pris 1 minute pour la réveiller, et ensuite elle n'a pas parlé pendant 15 minutes. Je l'ai emmenée à l'hôpital où elle a vomi partout. Ils ont pensé qu'elle avait fait une crise d'épilepsie. Depuis ce jour, et seulement quand je suis à la maison, il m'arrive d'avoir la chair de poule. Je n'avais pas ressenti ça depuis que je suis petite, mais maintenant j'en ai régulièrement. J'ai peur qu'on tombe tous malades de quelque chose. Et finalement, aujourd'hui, mon mari m'a raconté que notre fille de 6 ans lui avait dit « Quelque chose vient de se faufiler sous le canapé. » Mon mari lui a demandé si c'était un rat et elle a répondu «
Peut-être que quelque chose l'a tiré derrière le canapé. Et quand il a demandé quoi, elle a répondu « une poupée ». Il a regardé en dessous, mais il n'y a rien vu. Les gens m'ont conseillé d'utiliser de la sauge, mais je ne sais pas comment l'utiliser correctement et je prends ça assez au sérieux. Il n'y a pas de moisissure dans la maison, mais on n'a pas pu faire de test de gaz encore. J'irai acheter un kit la semaine prochaine. Pour ce qui est de prendre une échelle et de grimper pour voir ce qu'il y a dans la pièce mystérieuse, le propriétaire refuse car il dit qu'il y a une histoire de responsabilité si jamais on se blesse. Il n'arrête pas de nous dire de ne pas aller regarder par nous-mêmes et il se comporte bizarrement. On adore notre maison, mais je ne m'imaginais jamais me retrouver dans une telle situation. Je me contente de suivre les indices, mais là, c'est juste bizarre. Voilà où nous en sommes. On va se procurer une échelle bientôt, mais nous vivons peut-être dans une maison hantée. Encore une fois, le temps passe et le message suivant est publié un mois plus tard, le 7 août 2020. Il est aussi accompagné de vidéos qui montrent l'intérieur de la fameuse pièce mystérieuse filmée depuis une échelle. Pour votre divertissement, voici le très attentif aperçu de ce qu'il y a dans la pièce mystérieuse. Le propriétaire a fini par venir avec une échelle pour regarder et a laissé mon mari jeter un œil. La pièce semble avoir besoin d'être rénovée. Par contre, ce n'est pas la même chose en personne. On cherche des caméras pas chères pour pouvoir enregistrer ce qui se passe la nuit dans la maison. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose de plus que de la moisissure ici. Mes enfants vont rarement dans la chambre désormais. Ma fille de 6 ans jure qu'il y a 2 semaines, elle a vu un homme encapuchonné en noir qui se tenait en haut des escaliers à l'extérieur de la chambre et elle ne veut plus être dans cette pièce. On a encore changé de chambre pour que les enfants ne soient plus dedans et on a transformé cette chambre en bureau pour que je puisse y écrire. Il y a quelques jours, on a entendu un gros bruit dans les escaliers et on s'est précipité voir ce qui se passait. Tout le monde était en bas, alors on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand on est arrivé, le futon de mes filles était renversé sur le sol. Il y a 2 nuits, on a entendu un autre bruit, mais rien n'avait bougé de placé. Encore une fois, personne n'était dans les escaliers. J'aurais juré avoir entendu mon mari m'appeler et ça m'a fait super peur parce qu'il était à 2 heures de route d'ici. J'étais convaincue que quelque chose de mal lui était arrivé, mais il allait bien. J'ai sans arrêt l'impression qu'une télé est allumée car j'entends comme des murmures, mais rien n'est en marche. Mes enfants et mon mari entendent aussi des choses étranges, donc je sais que ça ne vient pas que de moi. La chaîne continue de gratter à un endroit au sous-sol, juste en dessous de là où se trouve le bureau d'écriture. Et pendant que j'écrivais, je la mets avec moi au sous-sol pour qu'elle chasse les souris, j'ai ressenti quelque chose me toucher le bras. J'ai regardé mais il n'y avait rien. Mais j'ai remarqué que ma chienne avait tourné sa tête vers moi et qu'elle me fixait quand j'ai senti quelque chose me toucher. J'écris encore au sous-sol de temps en temps et elle continue de creuser à cet endroit. J'ai la mauvaise habitude d'ignorer les choses. Deux de mes enfants ont commencé à faire du somnambulisme depuis qu'on s'est installé ici. Et depuis plus récemment, ça arrive chaque nuit. Mes enfants, qui sont propres depuis longtemps, se déplacent en somnambule, en pleurant et en se faisant pipi dessus. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je sens qu'il y a quelque chose de vraiment étrange. Je sais que la maison est l'une des plus anciennes de la ville qui reste, car la majorité de la ville a brûlé au début du XXe siècle. Selon mes recherches, aucun crime n'a eu lieu dans la maison. J'ai eu une longue journée et je me sens incapable de donner à cette histoire le traitement effrayant qu'elle mérite, mais je ne voulais pas laisser durer le suspense plus longtemps. Enfin, le dernier message remonte déjà à 2 mois.
Il a été publié le 29 août 2020 et il est accompagné d'une photo sur laquelle on voit le mur et la porte scellée, assez semblable à une photo qui avait déjà été partagée auparavant. Notre bail s'arrête dans quelques mois. On ne va pas le renouveler, alors j'aimerais régler ce problème de maison hantée avant qu'on parte. Nous sommes dans le Michigan. Avez-vous des recommandations pour des chasseurs de fantômes, des prêtres, des médiums, des planches de Ouija ? Aucun de nos enfants ne dormira plus dans la chambre attachée au grenier. Ils ont trop peur. La pièce reste vacante pendant que les enfants dorment dans le salon. Au moment où je filme cette vidéo, quelques jours avant Halloween, on n'a toujours pas de nouveaux messages et de nouvelles de la part de Christina. Donc l'histoire s'arrête ici. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant si jamais elle poste un nouveau message et qu'on a peut-être la suite et la fin de cette histoire. Savoir ce qui s'est passé, je me dis que techniquement, pas de nouvelles dit bonne nouvelle. Donc on peut imaginer que bah, finalement, il n'y a pas forcément eu de nouveaux phénomènes. Maintenant, à propos de ce qui se passe dans cette maison, il y a plein d'hypothèses possibles, évidemment. Personnellement, bien que, évidemment, il ne faut pas forcément croire à tout ce qu'on trouve sur Internet, je me dis que ça peut être une histoire qui est crédible, dans le sens, c'est possible qu'elle nous raconte vraiment des choses qui se passent dans cette maison. Maintenant, il y a quand même plein d'hypothèses qui vont de la plus rationnelle à la plus paranormale. La première chose à laquelle on pourrait penser, c'est que toute la famille subit peut-être une intoxication au monoxyde de carbone. C'est quelque chose qui arrive parfois dans certaines maisons et appartements et qui peut éventuellement provoquer certains des symptômes que semble ressentir la famille, à savoir les sortes d'étourdissements, les presque hallucinations, les crises d'épilepsie, etc. Et c'est un phénomène qui est plus courant qu'on ne le pense, et on a déjà vu des histoires un petit peu similaires de personnes qui pensaient qu'il y avait des phénomènes paranormaux chez eux, et en fait, eh bien, c'était un problème de fuite de gaz, sachant que c'est quelque chose de très dangereux, c'est vraiment hyper important de le détecter, donc peut-être que c'est tout simplement ça qui se passe dans cette maison. Ensuite, on peut éventuellement penser à une forme de psychose collective, c'est-à-dire que étant dans une maison quand même un petit peu ancienne, dans laquelle il y a des phénomènes étranges mais explicables rationnellement, par exemple le bois qui grince, certains bruits dans les escaliers et puis ce grenier qui est scellé, on peut se dire que peut-être toute la famille a commencé à devenir un peu paranoïaque et qu'elle se fait des idées et qu'elle a tendance à peut-être être en hypervigilance, voire même avoir parfois des sortes de mini hallucinations ou interpréter des choses qui devraient être totalement normales et banales comme des faits paranormaux. Après, évidemment, il est assez tentant de se demander si on ne serait pas sur un authentique cas de maison hantée. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui a bien pu se passer dedans ? Il y a quand même des petites choses qui sont un petit peu étranges, notamment avec les propriétaires de la maison qui ont scellé ce grenier d'apparence quand même tout à fait normale. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que les locataires puissent se rendre dedans? Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec le sol? Et puis, comme je vous l'ai dit aussi, il y a cet endroit juste en dessous de l'escalier qui a été scellé lui aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Sachant que Christina expliquait qu'au moment où ils ont fait la visite de la maison, donc juste avant de la prendre, cet endroit-là n'était pas encore scellé. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'éventuellement ils ont quelque chose à cacher dans cette pièce, que peut-être un drame s'y est produit et qu'un esprit continue de hanter les lieux? Bon, évidemment on n'en sait rien, mais c'est Halloween aujourd'hui et c'est vraiment le jour parfait pour laisser la porte ouverte à ce genre d'hypothèse. Et sinon, bien entendu, on peut avoir aussi une explication encore plus terre-à-terre et beaucoup moins fun, un peu décevante, qui serait celle selon laquelle Christina aurait tout inventé. Parce que vous savez, à un moment, elle a quand même mentionné le fait qu'elle avait un bureau d'écriture. Donc je me suis demandé si éventuellement c'était peut-être justement une romancière qui, peut-être partant de quelque chose qui existe vraiment, par exemple ce grenier qui a été scellé, a commencé à imaginer toute une histoire et a décidé de la partager sur Internet. On peut pas enlever non plus l'hypothèse du fait que il existe certaines personnes qui ressentent le besoin de mentir sur leur vie pour se sentir plus intéressante. Je crois que quelqu'un s'est reconnu. Peut-être que c'est tout simplement ça. Moi, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, je laisse vraiment le bénéfice du doute à cette histoire. Et comme c'est quand même quelque chose qui est un petit peu documenté avec des vidéos, des photos, etc., il doit y avoir au moins une base qui est véridique. Maintenant, à voir comment ça va évoluer. Je sais que je vous filme cette vidéo quelques jours avant Halloween. Et vraiment, pour le coup, si jamais il y a du nouveau d'ici là, et genre le jour d'Halloween, ça me semblera assez évident que c'est donc une histoire qui est complètement inventée.
Maintenant, si jamais c'est pas le cas, mais que éventuellement d'ici quelques semaines ou mois, il y a du nouveau dans cette histoire et qu'il y a une petite update, bien évidemment, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et je vous mettrai ça dans un commentaire épinglé en dessous de la vidéo aussi. Vous pouvez éventuellement, si jamais vous avez envie de suivre cette histoire vous aussi, aller voir le lien du groupe Facebook que je vous aurai mis en barre d'infos pour vous-même suivre et voir si jamais il y a une update qui apparaît. Voilà, c'était donc ma toute dernière histoire pour cette semaine spéciale Halloween. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée, autant que moi j'ai kiffé la faire et la préparer. Ça a été extrêmement intense pour moi en termes de tourner les vidéos, les monter, parce que évidemment, comme d'habitude, je ne me suis pas prise suffisamment à l'avance. Donc j'étais un petit peu en flux tendu actuellement là sur la fin. Mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie de marquer le coup avec vous. J'ai l'impression que vous avez aimé ces petits threads, donc pourquoi pas éventuellement les reprendre de temps en temps, plus sous forme de bonus peut-être, ou à la limite si je trouve vraiment une histoire vraiment vraiment intéressante. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'attends vraiment avec impatience vos retours. Je voudrais à tous vous souhaiter un très bon Halloween, même si cette année c'est assez particulier, hein, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous qui me regardez, que vous soyez en France ou pas, on est tous plus ou moins en train d'être confiné, reconfiné, couvre-feu, etc. Enfin, ça dépend des endroits où vous êtes, mais je pense qu'on est tous plus ou moins au même régime et c'est compliqué cette année 2020. J'espère vraiment que l'année prochaine, ça se passera mieux et qu'on ira mieux. En attendant, je veux vraiment vous dire à tous de prendre vraiment soin de vous, que vous continuiez à travailler, que vous alliez faire du télétravail ou que vous alliez vraiment travailler sur place, que vous soyez finalement confiné chez vous et que vous ne puissiez plus travailler, que vous soyez isolé ou avec des gens avec qui c'est pas toujours parfois facile de rester H24 aussi. Bah voilà, je voulais vous souhaiter énormément de courage, tenez bon, moi je serai là évidemment, je suis très présente sur Twitter et sur Instagram si jamais vous voulez me suivre un petit peu plus. Bien évidemment je vais continuer à publier au rythme comme d'habitude, donc chaque samedi une vidéo, en essayant de vous faire des sujets quand même bien travaillés et suffisamment longs pour essayer de vous divertir et de vous occuper l'esprit autant que possible pendant ces semaines qui s'annoncent un petit peu compliquées. Merci à toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout de cette vidéo et celles qui m'ont suivi toute la semaine en me laissant plein de commentaires et en m'envoyant tout votre soutien. Ça m'a fait hyper chaud au cœur. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.